un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. C'est le feu. Trêve. Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. L'Irak a pris fin. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Report des échéances électorales. Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Baisse des prix à la pompe, protection sociale renforcée. Soudain, on observe dans le monde occidental les carburants à baisser. La pollution a baissé. Les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps, qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité. Les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut sortir. Quelques jours seulement suffit à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. La peur envahit tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité. Elle leur a révélé leur humanisme. Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains
en espérant vivre éternellement. Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr, que les songes deviennent mensonges. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sont? Que valeur? Que pouvons-nous face à ce coronavirus? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons notre humanité dans cette mondialité à l'épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous. Vivant.